Allô ? Bonjour. Oula. Bonjour. Oui, un petit peu. Non, encore ? Oh là là. Non, mais c'est pas grave. Y'a pas de problème. Je vous rejoindrai. Attends, qu'est-ce que t'as fait ? T'as pas téléchargé le jeu ? Ah, oui, laisse-moi deviner, t'as pas téléchargé le jeu. Voilà ! Du grand bagra. Get clouted. Non, mais je vérifie toujours, mais là j'ai oublié. Dégoûte. Mais je comprends. Je comprends, Candy. Non, mais après, t'as une bonne fibre. Oui. Bon, bah voilà. Tu l'as lancé là déjà ? Ouais, j'ai lancé, je suis déjà à 6 gigas sur 75. C'est bon, là, normalement, dans même pas 10 minutes, tu l'as là, non ? Je pense. Bah, go game, hein. Ouais, bah c'est pas grave, je vous rejoins. Non, mais tu restes en vocal avec nous. Bah oui, ah, oui. Ah, bah oui, bah voilà. Ça va être super. Je regarde mon live. Ah oui, voilà. Tu restreams un live. On va faire ça, ouais. Ouais, au pire, tu nous hostes. Ah, mais du coup, ça tourne mal à cause de mon DL. Oh là là. Non, attends, ne te rajoute pas des problèmes. Erreur. Non. Arrête, ne touche plus à rien. N'empêche, en attendant, moi je vis à la campagne et c'est moi qui ai la plus grosse connexion. Bah, moi j'ai une très bonne co. Allez, vas-y, mesurez la taille, vas-y. Mon câble il fait 10 mètres, mec. Ah ouais, très bien. C'est bon, ouais. Moi je le montre à la commu, comme ça il y a des preuves. Ah ouais, mais non, parce que ça monte l'IP. Bah oui, ah ça ouais, monte l'IP, t'es con. Mais non, l'IP bête. 591 en montant et 944 en descendant. Moi j'ai 930 en download, 932. Tiens, je te nique. Vas-y. Il m'a niqué, putain. Ah, j'ai 590 en upload. Ah, je te nique de 1. Je suis trop triste. Qu'est-ce qui te remonterait le moral, lui, ouais, je pense. Juste, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse au moins une fable ce soir. Oh yes. Et franchement, dans une heure, je vous rejoins. Tranquille. Tranquille, let's go. Une heure. Bah du coup, on lève l'ancre, on rassemble un petit peu de matériel, le temps 2, machin, tout ça. Carrément, parce que de toute façon, si elle nous join, elle va pop sur le bateau. Ah oui, elle va pop sur le bateau, ouais. Ah merde, la scène. Oh là là. Oh, les youtubeurs sur Twitch. Hein. Attendez, je pimpe le bateau. Ok. Je peux acheter du stuff. Mintos ? Oui ? Viens voir. Attends, j'achète des petits chiens. Il va lui lancer un boulet de canon. Ça, voilà, t'étais sûr, je le connais par cœur. Putain, mais j'ai 150 000 balles en plus, je suis riche. Oh, pareil, je suis riche as fuck. Revenons au jeu par contre. Attends. Oui, oh, c'est 61 000 par contre, oh là là. Oh, je me suis détruit. Mais moi, mon perso, il est tellement classe, déjà, j'ai pas envie de le changer. Moi, j'aime trop mon perso aussi. Ah putain, j'ai 168 000 balles, je suis plus riche qu'Antoine. Oh, bien joué. Comme dans la vraie vie. Mais non, vrai, écoutez pas les bébés. Non, t'as raison, certainement pas. Oui, c'est pour ça. Venez chez moi, venez vous abonner chez moi, putain. Attention ! Ah ! Ah, bah bravo ! Mais putain, mais il fait. Ah ! Bah tiens, voilà. Ah, il a tout baigné ! Vous êtes fous ! Oui, Mythos, à quoi tu ressembles ? Ah, mais c'est la madame de la cantine, comme la dernière oui fois ! Oui ! Tu lui donnes ta top. C'est celle qui te sert les lasagnes. Burk les lasagnes. Allez, vas-y. Allez, mon gros, fais-moi ouais danser. T'aimes bien quand mes ailes de poulet remuent. Ok, je suis là. Je me sens pas bien, là. On va faire la fable 6. Allez. Il faut qu'on aille à Plunder Valley pour ça. Alors, vas-y, je lève les voiles. Je baisse les voiles. Allez, non, je le fais moi. Ah, bah, moi, je fais rien, moi. prends la barre. Non, moi, je suis pas capitaine, moi. Moi, je dis west, moi, où c'est ? Faut lever l'ancre. Bah ouais, west, c'est tout droit. Je lève l'ancre. Dites-moi si je vais dans la bonne direction, direction Plunder Valley. Ouest, plein ouest. Mais t'as pas la carte. Babord, je l'ai entouré. Babord à gauche, tribord à droite. Ah, plus à tribord. Bah non, plus à babord, non. Non, gauche. Mais t'es pas du tout sur la carte. Mais moi, je suis sur ma boussole. j'aligne le ouest, moi. Mais je te demande pas l'ouest, je te demande Plunder Valley. Ah, je sais pas, moi. Je vais aller voir. Je sais pas, moi, t'as dit ouest. Bah, non, c'est bon, t'es sur la bonne direction. Voilà, bah voilà. Ouais. Okay, voilà. Bah, bien joué, Mintos. Voilà, merci. Ah, petite musique là. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on s'éclate sans Bagheera là. Ma soirée de Saint-Valentin sera comme toutes les autres, horrible. Voilà. Plein de déceptions et en train de rouler dans mon vomi. Entre hommes. Quoi. J'aurais pas pu faire un rire plus grave. Entre couillasses. Entre couilles, quoi, on est pas bien là. On est pas bien là, détendu du gland. Ah, faut peut-être. Attends, je vais charger les bouletos moi. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Qu'est-ce qu'elle est belle la mer dans ce jeu, n'empêche. On dit ça à chaque fois et c'est réel. C'est une des plus belles mers, en vrai. Après la mienne. Alors, tribord de 10 degrés. Là, ça devrait être bien, je pense. Non, oh non, encore de 10 degrés. Là, ça devrait bien. Encore un bien petit peu. Ouais. J'ai chargé les bouletos. Là, ça devrait être bien. Oh non, encore de 10 degrés. T'es au 20, du coup, finalement. Ouais, et tu 5 degrés de plus et on sera pile dessus. Ah, mais du coup, c'était 25, c'était pas 10 degrés. Oh là ouais, là, mais 10, 25, c'est oh la même chose. Une vraie phrase de youtubeur, ça. Putain, venez dans le bureau du capitaine, là. Let's go. Bonjour à tous. Oh, on est bien, là. Et non !
Après, pas de mutinerie, Mintos. Personne n'a jamais dit que c'était toi le capitaine. Ah, bah, je suis à la barre, je veux bien... Bah dans ce cas-là, t'es le mec qui tient la barre alors. Oui, pardon, capitaine. Faut pas éteindre les lanternes. Ah oui, faut éteindre les lanternes. Non, c'est bon. 20 degrés sur tribord. Ouais, ce que je fais, t'inquiète, j'étais déjà en train de tourner en tant que capitaine. Hop. On est plein ouest là, hein. Ouais, tout à fait, Mintos. La fab qu'on va prendre, si vous voulez voir laquelle c'est, vous faites tab, puis... Journal pirate, puis réputation, puis fable du fibustier, puis vous allez page 2, puis vous prenez le 6, puis vous faites 2 pour plus d'infos. L'art de la piégeuse. L'art de la piégeuse. Oui, faites 2 pour plus d'infos. Moi. On me dit qu'elle est super dure celle-ci. Alors, je crois qu'on arrive... Ouais, c'est celle qu'on voit à l'horizon. Ok. Besoin d'aide ? Non, bah de toute façon, les deux ils savent jouer là. On est des professionnels. Ouais. Pirates. C'est ils franchement. L'argent de tout le monde. On a toujours réussi tout ce qu'on a fait. On a bourlingué. On gagne toutes nos batailles. Ah, c'est sûr. Là, tu es dans le bon sens ? Ouais. Dac. C'était t'as l'air pas... rassuré. Ouais, ça avait pas l'air sûr de moi. Mais attends, c'est. Je suis en haut là. J'arrive. Je vois plus l'île en question. Elle est où notre île ? Alors attends. Merde, je suis parti. Oh, merde, j'ai trop tourné. Oui, t'as beaucoup oui. trop tourné. C'est ah, on est au nord là. C'est oui, complètement oui, 50 degrés sur, la, sur le bord. Capitaine. C'est celle-là. Attends. Ça va ? Parce qu'on arrive droit dessus là. Ouais, ouais, t'inquiète. Là, je suis en train de. T'inquiète, bro. On est plein ouest. Ouais, alors non, il y a un rocher là. Je sais, je le vois, je sais. T'inquiète, fais-moi confiance. Est-ce que je t'ai déçu ne serait-ce qu'une seule fois ? Je me mets à côté de l'ancre. Je me mets à côté de l'ancre au cas où. Non, mais pourquoi ? Bah, on s'arrête si on va pas percuter le bord. Ne percute rien, regarde. Je me rappelle un film, cette vision du rocher qui passe juste à côté. C'est bon ça. Voilà, c'est bon. Ça c'est l'heure de la soupe. Non, c'est l'heure, ça veut dire qu'on arrive bientôt. Ouais, ah. Bah oui. Je suis roleplay moi. Terre, droit devant. Avec le micro qui sature. T'as des gouttes, t'as dit 10 ou 15 degrés au lieu de pi sur 9 ou pi sur 6 radiant quoi, j'avoue. Ah, je m'occupe de l'encre. Alors, attends, on est loin encore. Attends, je te dirai. Fais confiance à JDG, tu devrais pas, ouais. Mais fais confiance à JDG. Je suis un expert, franchement, Franchement, je me suis amélioré. Je suis prêt à appuyer, hein. Et hésite pas à virer complètement à tribord. Non, à bâbord. Non, vas-y, à bâbord. D'accord. Mais non. Tous. Mais ah après, bah si t'as plus. Temps, hein. Bah oui, mais t'appuies trop tard aussi. Et là, voilà, regardez là, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est un squelette de perroquet. Ça va, Mintos ? Bah, je tue des gens, moi. La piégeuse, va y avoir des pièges. Y'a cochon ! Ouais. Donc, on est déjà sur la bonne île. Une grotte d'ossements sur cette île. Au fond, auprès de l'oiseau de pierre, gisent des histoires des ossements inertes. La livreuse de Rhum a posé son verre, la voleuse se cache derrière son masque d'or. Je pense déjà trouvons la grotte. Ouais, grotte d'os. Oh, y'a cochon. Quelle grande est-il là ? Je crois qu'il y a beaucoup de grottes. Le cochon. C'est le cochon. Ah, il y a un hôtel avec des crânes. Il y a oh, un... j'ai un capitaine avec... Putain, mais pourquoi il est là, lui ? Ça doit avoir un rapport, parce qu'il y a un perroquet qui est perché sur la... sur un truc d'un homme, là, sur l'épaule d'un homme. Et c'est un perroquet de pierre ? C'est un perroquet... non, c'est un perroquet gravé sur de la pierre. Sur le panneau, il y a la même inscription que sur notre livre de quête. J'ai trouvé un truc intéressant aussi, mais ça servira pour après. Mais non, mais le perroquet de pierre, c'est... Mais non, mais venez. Des fantômes. Mais non, mais Mintos, regarde juste la pierre au-dessus. Ah ouais ? Ouais, merde, un mec. J'ai trouvé, Fred. Il sait, mais comment t'as trouvé ? J'ai juste ouvert les yeux. Putain, non ! Ah ! Ok, je me suis fait défoncer par les fantômes. Attendez, j'essaie de revenir. Ah, ils m'ont envoyé dans l'eau, hein. Alors, du coup, c'est où Bah, c'est par là, mais on va attendre Antoine, attends, c'est par là. Bah, en fait, faut juste que tu regardes le rocher, en fait. Le gros rocher de l'île, en fait. Tiens, regarde. Le gros rocher de l'île, je le vois, ouais. Regarde. Ah, mais c'est un perroquet, c'est oui, ça c'est un perroquet. Et c'est sous la chute ? Non. Je ne sais pas. En vrai, on dirait plus un aigle qu'un perroquet, en vrai. Ah bah, voilà. J'allais dire, faut suivre par là, à mon avis, mais... Merde, je suis tombé. Ah non, bah si, effectivement. Je trouvais la grotte. Ah, la grotte, putain, c'est là où je suis tombé. Je suis trop con. Je cherchais la grotte d'ossement sur Plunder Valley, au fond, auprès de l'oiseau de pierre. Au fond, auprès de l'oiseau de pierre, il parle du grand rocher, de la forme du rocher, je pense. Ah, mais attends, il y a un bouquin là. Lire le piège parfait. En tant qu'illustre piégeuse, oui, c'est ça. Je vais commencer mes expériences sur Discovery Ridge. Quelques tonneaux pleins de babioles devraient susciter l'intérêt des pirates. Donc, faut aller à Discovery Ridge ? Attendez, il y a un truc bizarre avec les squelettes là. Ah, mais faut peut-être les faire se tenir la main, les deux là. Mais comment ? Ils sont trop. Ah oui, d'accord. Ouais. Oh, c'est touchant. Et regarde leur destin. Attends, le capitaine de Force Aken montre du doigt le feu et la cendre. Montre du doigt le feu et la cendre, alors attends. Alors le feu, c'est le dessin qu'il a au-dessus de lui. Jamais. C'est le dessin qu'il a au-dessus de lui. Le feu, ouais. Et la cendre. C'est quoi ? C'est le masque. La voleuse se cache derrière son masque d'or. La livreuse de Rhum a posé son verre. La livreuse de Rhum a posé son verre. Donc là, la voleuse, elle se cache derrière son masque d'or. Donc ça, c'est fait. C'est bon. C'est bon. Ah oui, putain.
Y'a un truc qui descend. C'est trop bien en fait. Ah. Ça, on dirait un jeu vidéo. Longue vue de la piégeuse. On l'a tous. Yes. On l'a tous, hein. C'est un objet commun. Alors c'est quoi maintenant? Vous détenez ma longue vue spéciale. Un test pour voir si vous êtes digne de protéger ma pierre. Allez à Discovery Ridge, cherchez ma marque. Debout, appréciez la vue. Vous devinez l'emplacement de la pierre. Bon bah de toute façon, faut aller à Discovery Ridge là maintenant. Poule. Tiens. Calme-toi, Mintos. Et qu'il a un problème avec les animaux, quoi. Il y a un cochon en tout cas sur la plage ici, si j'aime Mintos. Mais moi j'ai vécu dans une ferme, moi, toute mon enfance. Et Bagheera, c'est pour ça que je suis le tabasse. Ouais. Moi j'avais deux tortues et elles se sont suicidées. Suicidées comment? Bah en fait, c'est des petites tortues d'eau, qui s'appelaient Cracotte et Biscotte, et puis elles étaient dans un tout petit aquarium. Ah, tu parles IRL, pas dans le jeu? Oui. Elles se sont fait la courte échelle mutuellement pour sortir de leur aquarium et elles se sont mises sous le radiateur pour crever. Quand t'étais petit? Oui. Ah, c'est horrible. C'est un traumatisme, t'es. Aïe. Okay. Elle supportait tellement pas de vivre avec toi. Ah, c'est horrible. Vraiment, horrible. On les a jetés dans les chiottes. Pauvre tortue. Mais un peu, c'est pas censé vivre 1000 ans, une tortue? C'est une tortue d'eau, je crois pas. Non. Ouais, va falloir qu'on remonte toutes les voiles, parce que sinon, si on démarre, je vais me prendre les bateaux direct, en fait. Du coup, Bagheera, t'arrives? Let's go. Let's go, Bagheera. Trop sympa cette soirée. Ouais, ah, Bagheera. Ouais. Marine Twist, c'est pas. Je suis en train de lever l'encre. Fred, tu te prépares à dire à Mintos à quel moment il faut jeter l'encre. Mintos, t'es prêt? Non. C'est pas tout de suite, mais il faut se préparer. Je suis prêt. Attention. Maintenant. Voilà. Voilà, quel expert. Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Ouais. J'ai trouvé la marque. C'est ici. Ah, alors ouais, il y avait pas un truc de... Parce qu'attends, je crois que dans le livre, il parle de soleil écarlate, non? Et on pointe le soleil. Ouais, faut peut-être regarder la lune, regarder dans le soleil, faites pas ça chez vous. J'ai l'impression que c'est un peu une fausse piste, là où on est, par contre, attends. Mais c'est trop bizarre, les gars, regardez le dessin. Ça ressemble pas du tout à ça, en fait, quoi. Je vais visiter un petit peu l'île. Je pense qu'on se focus sur un point... Je me dis, tu sais, c'est peut-être la croix qu'il y a au milieu de la jumelle. Ah, là, il y en a un autre. Il y a un autre, signe. Ah, tu vois, je me disais, c'est pas possible. À l'endroit où... Parce que là, il y a trop de rochers. Normalement, on devrait avoir plus de... Ok, faut suivre la ligne droite sur le dessin, je suppose. Ouais, bah c'est ça, c'est là où je suis. Debout sur le dessin. Mais tu m'as poussé? Non, je t'ai pas poussé. Oh putain, attends. Oula, je me fais défoncer. Je vais probablement mourir. Putain, mais c'est relou ça. Ah, je suis mort. Ah, j'arrive, je viens de sauver. Karma. Les gens disent karma quand tu meurs alors que j'ai rien fait de mal. Moi j'ai un coffre avec de l'or. Non, parce que oui, il nous file une longue vue et dans cette longue vue... Il y en a une troisième là où je suis. Ah putain. Ouais. Non mais c'est sûr, en fait il y a trois croisements. Faut trianguler. Ouais, il faut trianguler. Mais regardez, en fait ça fait juste une ligne droite en fait. Mais une ligne droite par rapport à quoi? Si tu veux faire une ligne droite, il faut un point. Regardez sur le dessin. On dirait plus des espèces de... Enfin je sais pas, c'est des carrés, c'est pas vraiment... T'as un arc de cercle, puis t'as une ligne qui relie deux points entre eux en passant par le milieu là où on est, je pense. C'est juste de la trigonométrie niveau seconde. Oh là là. Excusez-moi, c'est vrai que j'avais oublié que... Il n'y a que des bacs plus 9 ici. Bah non, t'oublies pas, tu le dis tout le temps. Hein. Alors, je vais retourner au bord de l'eau là-bas. Je suis fier d'eux. La dernière phrase m'intrigue, le soleil écarlate, donc rouge, lui, ouais. La lune azurée scintille. Moi je pense qu'il faut trouver un truc qui ressort, à chaque fois qu'on est sur une mare, il faut trouver un truc qui nous saute aux yeux. Merci. Et donc ce serait la petite île qui serait... Il y a un livre, le leurre, il y a un livre. Il y a un livre de la quête. Ah bon? Parce que moi, j'ai trouvé le soleil écarlate et la lune. Hein. On aurait pu les voir depuis le départ, mais on n'a pas fait gaffe. J'arrive. Moi, j'ai juste visité l'île. Oh, c'est bien, on l'a trouvé par hasard. C'est comme ça que ça marche. Je suis là. J'ai lancé le jeu. Bravo, Bagheera. Bah, tu nous rejoins. Hein. Oui. J'ai faim. Tiens, attends, je peux dropper ça ou pas? Attends. Je vais aller chercher Joaquina là-bas. Oh là là, il y a des mobs partout. Ouais, je vais essayer. Faut qu'on t'invite, non? Ah! Ouais, je pense. Au secours, je meurs. Le bouquin, il était là. Alors attends, le bouquin. Là, ouais. Leur partenariat qui durera toute une carrière de pirate endure à présent les affres de l'éternité. Le sortilège doit être brisé. Seul l'ordre peut désormais les libérer. Prendre la mystérieuse carte. Ah ouais, d'accord. Ah bah, je suis mort. Le premier pirate à s'approcher a arraché le levier d'un coup sec et s'en est emparé. Joli porte-chapeau, s'est-il tant empressé de dire. Avec ce genre de... Oh, aïe. Putain. Qui a... Oh non. Putain. Qui est le con? On l'enferme dans la cale tout de suite, c'est Bagheera. Je suis pas encore là, moi. C'est Bagheera, je l'ai vu. Mais c'est Antoine. Non, je suis mort avec toi, connard. Regarde, je suis là. Mais oui, je sais que t'es mort avec moi, mais peut-être que tu t'as fait une connerie. Mais non, ah, j'ai trouvé l'endroit, je crois. Voyons, Bagheera, à quoi t'en ressembles? Je suis un capitaine crabe. Je crois avoir trouvé l'endroit.
à s'approcher, à arracher le... Pour de vrai, par contre. Ah, vas-y. Vous voulez que je vous explique ou vous vous en foutez? Ouais, non, vas-y, explique, bah oui, explique. Alors venez là où je suis. Venez là où je suis. Venez là où je suis. Putain, j'arrive, tu me fous de la nourriture. Ah, merci de la nourriture, enfer. La petite île de départ. Vous voyez la lune et le soleil sur le mur là. Ouais, ouais, ouais. Okay, utilisez votre longue vue et mettez les trucs à la place de ses yeux. Ouais. Et en fait, la croix en dessous, bah en fait, c'est là qu'il fallait creuser. Ouais, oh la connerie. C'est vrai que c'est, ça a l'air vide. Hein. Alors, il y a des joueurs très très proches de nous, hein, sachez-le, faut le savoir. J'ai ramené des coffres là, si vous voulez m'aider à ramener les coffres. De toute façon, on va retourner sur le bateau, faut qu'on aille à l'heure maintenant. Ah non, mais attends, non, mais je pense que c'est sur la même île, mec. Parce que du coup, il y avait plein de marques, rappelle-toi, il y avait plein de marques qui servaient à rien. Alors à moins que ce soit des pièges, peut-être. Regardez, okay. Richard. Oh, il est beau, hein. Let's go. Il est beau, mon logo. Voyons. Ah, c'est un lévrier. Sale bête. Non, mais là, j'adore l'humanité. Ah, ici, là où t'es, là où je suis. Et là, regarde, là, on est autour de palmiers, donc c'est bon. C'est celle-là. Ah, il y a une autre marque ici encore. Oh, là, mais moi, je pensais pas à partir de là, de où vous êtes, ou de où est Mintos en tout cas. Bah, après, non, là où j'étais plutôt. Là vous où êtes au milieu de palmiers, ça peut être n'importe où. Hein. Non, mais là où je suis, ça correspond vraiment bien à la carte en fait. C'est de la poule. Je vais aller voir sur le bateau et comme ça, j'essaie de me diriger un peu. Ah non, mais c'est là où je suis. Oui, c'est là, là, il y a un symbole là. Ah, non, mais c'est 100% ça, regardez en bas, on voit le truc là. Non, mais c'est l'endroit où vous étiez avant quand je vous ai fait exploser. Ah, c'est toi qui nous a fait exploser. Je l'avais dit. Non, j'ai dit ça comme ça pour que vous compreniez bien ce que je disais. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il fallait bien faire une arrivée fracassante après tout ça. Of course, of course, of course. Les effluves de... Attends, c'est bien le bon endroit, hein. Oui, c'est ça. Non, 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 non. Non, j'ai pas eu le temps de partir. Oh, Bagheera. Je l'ai vu se préparer. J'ai tout vu dans ma lunette. Regarde-moi, Fred. Regarde-moi, vraiment. T'as vu comme je suis belle. Je mange des verres. Je mange des verres. Je mange des verres, Fred. Ah, t'as raté. T'as vomi à côté. En fait, le truc, c'est que... Le truc... Putain, c'est trop chiant. J'ai pété un câble. Alors, c'est probablement une idée de merde. Ou Bagheera, ou Fred, ou Mintos. Venez voir, j'ai probablement... De toute façon, les choses se tentent, hein. Bah, mais là, en fait, ça serait chiant à tenter. Moi, je suis chaud, ouais. J'aime bien les trucs. Bien. Je me supporte. Venez voir. Donc, si vous vous placez là-dessus et que vous regardez en face... Attends, Fred, tu vas pas dans la bonne direction. Je suis Fred. Je suis Mintos. Voilà, mettez-vous là-dessus, utilisez la longue vue et regardez le gros... Quoi ? Et regardez quoi ? Et regardez le gros rocher en face. Et mettez-le à la place du nez. Ouais. C'est pas pour la quête ? Et bah, la croix en dessous, ça veut pas dire que le trésor, il est sous l'eau là-bas ? Allez, j'y vais. Oula. C'est loin, Bagheera, tu vas pas y aller à la nage. C'est audacieux, mais... Bagheera. Parce que c'est... Mais le je truc, c'est pourquoi ce rocher-là, pourquoi ça serait pas celui à côté, moi, ou celui pas à côté, ça. Ou celui encore à côté. Je sais pas, ça correspond un peu, et encore. Pour moi, c'est pas du tout ça, mais... Mais non, mais t'es pas obligé, mais... Bon. Moi, je vais creuser au hasard. Tu lâches un canon, moi. Au pire, on t'aurait dû te canonner, en vrai. Ah ouais. Je vais me canonner. Non, j'ai la flemme. Ah oui, tant mieux. Après, si on commence à creuser maintenant, au bout d'un moment, on va trouver. Qu'est-ce qu'il disait, le bordel ? Batte-moi de l'autre côté. C'est pas ce truc, là ? Non, je vais pas sous l'eau, ça me fait trop peur d'aller sous l'eau. C'est pas le... Y a pas... Regarde, y'a un perroquet qui vole en cercle, on est pas censé le buter. Non, mais attends, s'il vole en cercle de manière régulière, gratte dessous, hein. Gratte dessous ? Genre, mets un coup de pelle. Bah, je vais mettre un coup de pelle. Pas sur les perroquets. Ah. Bah, tu vois, genre, s'il encercle un truc, faut quand même aller check, quoi. Ah, mais t'as la raison. C'est vrai qu'il fait un cercle autour d'un truc. Ouais. C'est moi. Ouais, un jour, je vais traverser un lac à la nage, ça me fait pas peur. IRL ? Oui ! Le lac Léman ? Non, le lac de Bienne. Moins bien. Mais je l'ai... Oui, non, alors clairement moins bien, mais je l'ai fait. Hein. Bah, en fait, regarde sur la carte, Mintos. Clairement, moi, de ça la piégeuse découverte. J'ai trouvé quelque chose. Quoi ? Il y a un symbole, le symbole du crâne, là. Mais c'est toi qui as trouvé la note de la piégeuse. C'est pas ça qu'on devait chercher ? Ah, si, c'est ça. Si il l'a trouvé. Vous voyez, il suffisait de creuser au hasard. Mais non, mais en fait, c'était le perroquet qui nous indiquait le truc. Oh là là, mon cerveau. Je suis mort. Mon cerveau, c'est moi qui ai vu le perroquet. Donc, c'est pas du tout ce que j'ai dit, quoi. Je reviens. Si vous cherchez la pierre, vous devrez trouver la clé de mon atelier. Ici, sur Discovery Ridge. Oh putain, mais. Des ennemis, là. Vas-y, faut aller au sud. Je pense que c'est au sud de l'île. Je crois que je passais par là. Où au sud de l'île ? C'est où le l'anus de l'avant, là ? Ah, si, je l'ai. Ah, ouais, j'ai le point. Je l'ai. Bah écoute, en vrai, c'est là. Hein. Bagheera, pourquoi t'as sauté, Bagheera ? Parce que comme ça, je cherche le coffre. J'en peux plus, je suis mort encore, putain ! J'arrive, Mintos. Attention, derrière. Ici, il y a une marque. Aïe ! Je suis mort. Je te reste, t'inquiète. Ah bah, c'est là, il y a le bateau, là. Alors, voilà, il y a un bateau. Oui, Fred ? J'arrive pas à me relever. Je me suis assis, je veux pas. Ah, mais. Ah, oui.
secours. Est-ce que tu veux que je te libère, mais je sais pas comment on fait. Est-ce que tu veux que je te libère violemment ou Non, mais il y a un bouton pour se relever, c'est quoi? F, on me dit. F, okay. Ouais, voilà. Ah, c'est bon, ça. Non, je sais pas, sinon tu mets l'œil sur la cible ou bien le nez sur la cible, tu vois, et l'endroit de la croix, faut creuser ou un truc comme ça, tu vois. Non, mais en fait, il y a... Putain, mais Mintos... Pourquoi on me crame la gueule? Tu t'es cramé la gueule tout seul, Mintos? Mais non, j'étais en train de lire. J'arrive. Y'a personne... Ah si. J'arrive, Mintos. Je pensais pas du tout que je réussirais à le toucher. Chausson. C'est juste à côté. Moi, je pensais... Bref. Chauffons. Attends, je sais peut-être... Attends, deux secondes, je vais voir. Non. C'est terrible. On m'a balancé chez moi. Quelqu'un peut me raid, s'il vous plaît? C'est pas vrai. Non, mais IDG, tu me kills tout le monde, là. J'étais loin. J'arrive, Antoine. Creuse de la plage, moi, j'arrive. Et t'es où, votre marque, là? Elle est là, viens voir. Elle est là. Non, j'ai pas confiance. Mais ça... Parce que, attendez, regardez, là, en bas, le rafio, il y en a un à côté du... Ça va, frère? Regarde là où il y a Mintos, il y a une coque de bois à côté de lui. Ça serait plus ça, non, le rafio en question? C'est... Ça pourrait. Alors Mintos, tu vas... Regarde, descends, va en face de toi. Doucement. Encore. Voilà. Encore. Un peu à gauche. Creuse-la. Ouais. Ah, le petit truc, je l'avais pas vu. Nice. GG. Ah, ça explose, hein. Qu'est-ce que c'est qui pète, là? Ça pète, en tout cas. Mais c'est moi qui ai pété. What the fuck? Ah bah ça s'est ouvert, du coup. Donc la clé de Sailor Bounties va dans ces grottes où stagne l'eau. Donc je suppose que là, ça a dû ouvrir comme passage. Ce que t'as déterré, c'est quoi? C'est un gros tonneau. Un gros tonneau explosif. Il va falloir s'en servir, je pense. Il va falloir trouver une caverne où stagne l'eau. Je suis mort. Bah non, Mintos. Mintos. Le MEDE, OMG. J'arrive. Je suis derrière vous. J'arrive, deux secondes, ta gueule. C'est bon. Ah non, trop tard, merde, Mintos. Et donc, attends. Il faut trouver un truc avec de l'eau stagnante. Ah, non, il faut aller sur Sailor's Bounty. On n'est pas sur Sailor's Bounty. Ah oui, bah oui, sur Sailor's Bounty. Ah bah go alors. Oula. Mégalodon. Ça sent le mégalodon. Allez, let's go. Moi, je suis chaud, hein. Je mets Charles Aznavour dans un canon. Il reviendra. C'est bon, on a toutes les voix. Ah non, c'est juste des connards. Ah, c'est des pirates. Oh putain. C'est bon, on se les fait. Ils sont nuls. Oh, j'étais à chier. Ils sont à chier, c'est ridicule. On les ouvre en deux. Je vais tourner un peu, je vais. Bagara reste à la barre. Oui, c'est bon ça. Je vais essayer de réparer en bas s'ils nous baisent. Qui m'a vomi dessus? Ah non, ils ont envoyé les boulets de canon vomitifs là. J'arrive à sauter. Pourquoi t'as sauté, Bagheera? J'ai pas sauté, je suis tombé, ils m'ont poussé, ça m'a poussé dans l'eau. Je crois qu'on crame. C'est pas possible, mais quand il meurt quand là? Ça va aller, Bagheera? Oui. Vas-y, barrez-vous là! Yes, cassez-vous! Trop nul, les PNJ! Je vais prendre la barre. Prépare. Je vais à la barre. Ils vomit! Je vomis! Je gerbe aussi! J'ai la gerbe! J'ai la rage! Ok, il y a des PNJ, il y a un droit devant, mais. Fais gaffe, tu fonces vers des rochers, ouais. Bagheera, fais gaffe. On va peut-être aggro les PNJ sur notre bâbord. Non, va pas tribord, il y a des rochers tribord. Ouais, reste à bâbord, tant pis, au pire, on se les fait au pire. Non, nautique. Va, Mintos. Qu'est-ce qu'il y a? Et il découvre la musique bourrée. Ah oui. Oui, ah, alors oui. Là. Ah oui, attends, moi je vais t'accompagner. Attention les rochers, Bagheera. Je les vois, t'inquiète pas. Ah, je les vois bien là. Je suis pas. C'est souvent. Allez. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Bagheera? Je les vois en tout cas. C'est l'île en face. C'est l'île en face. On y arrive. Ah, je suis tombé dans l'eau. Oh, le malaise. Oh là là, cringe un peu en tout. Je vous laisse faire l'encre, hein. Ouais, vas-y, je monte à la vigie et je vous dis. Au revoir. On va se faire un marquage de ouf, faites-moi confiance. Moi, je reste à l'encre. Let's go. On peut remonter un tout petit peu les voiles pour que je puisse voir quelque chose. Non, t'inquiète, je te dis quand il faut jeter l'encre. Celle du milieu, quelqu'un monte la voile du milieu un petit peu. Attends. Non, mais c'est bon, regarde, il va voir, frère. Moi, je le vois, je suis à la vigie. Je vais faire un marquage de ouf. Mais. Vas-y, je peux la remonter. Team play, tu fais confiance à ton équipage. D'accord. Je crois que toi, je ferais pas confiance à Fred, mais bref. Ok, attention, bizarre. Tout de suite, hein. Je vais braquer, on va se faire un truc de dingue. Voilà, alors. Voilà, je t'assends la dinguerie. Moi, je veux voir ça aux premières loges. Maintenant. Let's go. Alors, par contre, c'est un peu la merde. On va peut-être se taper le cul. Mais non, regarde.
Je suis un expert. Oh là là, virement de bord vif, j'ai eu succès. Ouais, je voulais faire ça. Je suis un expert. Franchement, j'ai beaucoup échoué au début, mais maintenant je suis imbattable. Non, mon virage, je m'en fous, d'accord. Bon, écoute, c'était un travail d'équipe, Fred. La clé sur Feral Bounty va dans ces grottes où stagne l'eau. Attendez, je vais trouver de l'eau stagnante. Oula, ok, ça va être la galère, hein. Vous allez trop bien. Eh ben, attendez-nous, on va le faire ensemble. Oh, le pénitent le passe. Attendez-nous, on va le faire ensemble, remontez. Non, c'est trop tard, j'ai passé. Attention, il y a plein de pièges, hein. Fais gaffe à pas exploser, Fred. Ouais, c'est pour les bébés, hein. Moi j'en ai pris zéro. Ah. Mais ça va, ça, j'ai l'habitude. Attention, celui-là il est vif, hein. Let's go. Aucun. Il est où? Il est là. Oh, le dino. S'il vous plaît. 2, 3. Il avait tellement confiance. 2, 3. Ok. Oh là là, regardez-la arriver. La dame de la cantine. Elle arrive. Attention, les mecs. Elle dit. Ok. 1. 2. Aïe! C'est le bordel, hein! Fred est mort! Ouais, vous pouvez me raise! Aïe! Regardez-les quand ils ont dit il y a une minute, c'est un truc pour bébé, vous allez voir! Non, moi je l'ai pas dit, hein! Moi je me sais les hitbox qui sont buggés de toute façon! Regardez, il y a le symbole là! Attendez-moi! Ouais, du coup, attends, Fred, il revient! Hop là! Oh aïe. Non! Quoi? Ah, on est tous morts! Quelqu'un a fait péter le baril? Le choc de l'histoire! Quoi? Qui avait le baril? Bah qui avait le baril? Ah, c'est Bagheera qui avait le baril. Bagheera. Mais j'ai rien fait, je l'avais dans les mains. T'as pas appuyé sur un bouton qui allume la mèche par hasard? Non. J'ai dû prendre un coup de feu. Attendez, il va repop, Mais non, on a plus la fable, hein. Faut tout recommencer. Oh non. Ah, pitié. Oh non. On a plus la fable, hein. Pitié. Y'a plus le bouquin. Le bouquin n'existe plus, hein. Faut tout recommencer, on me dit. Let's go, Bruno là. Passer sur Bruno peut-être là parce que. Non, il doit y avoir des checkpoints. Ah, je te promets qu'il y en a pas, mec. Il y a un checkpoint sur l'île précédente. Il faut aller juste chercher le truc. Ah, Bagheera, tu montes sur le ici là, le truc au requin. Tout de allez, suite. Je le mérite. Il y a plus, t'as pas un checkpoint, mais où est-ce que je le vois le allez. Checkpoint? Allez, attendez. Ah merde, c'est pas le bon. Mais qu'est-ce que vous foutez? Elle a foutu le fond bâton, mais quelle est conne, c'est pas possible. Ah. Ok. Ah. Ce monde change, de danger apparaît. Ça change de serveur. Ah, on change de serveur. Ah, c'est moi qui ai tiré sur le tonneau? Oh, pardon. Sérieux? Ah, je demande à... Je demande à le best-of un replay tout de suite. Hop là. Aïe. Quoi? Ah bon, on est tous morts. Non, mais ça arrive. Et en plus, il a essayé de t'accuser. Bon, ça, c'est vrai, par contre. C'est moi qui portais le tonneau. Alors, c'est pas au même endroit, par contre, les trucs. C'est pas sur la même île. Il faut qu'on aille... À Plunder Valley, dans tous les cas. Mais je vois pas, je suis gogol. Bah il est là, à droite, la grosse île, là. Mais non, Fred, redescends. Ah oui, il est gogol. En bas. En bas, plus bas. Plus bas. Il est droit, sinon. Plus bas. À droite. Plus bas. Là. À droite. Ah oui, Plunder Valley, effectivement. C'est énorme. C'est nul. Bagheera, elle me fait cramer. C'est pas possible, mais Bagheera. Bagheera joue pour le best-of, elle joue pour le best-of. Pour ma défense. Venez, on met Bagheera au fer. Non, mais pour ta défense, rien du tout, éteins le feu. Pour ma défense, j'ai cru que c'était des autres boulets. Mettez-la au fer, là. T'as dit que tu mettais personne au fer, Minto. Oui, non, mais toi, c'est pas pareil, là. Il y a eu envie de meurtre, là. J'ai envie de meurtre. Ça, moi. T'as voulu me tuer, j'ai pas fait exploser le tonneau, moi. T'as voulu me faire tuer, là. T'as une drôle de tête, Antoine. Je t'avais pas vraiment vu. Bah dis donc, revenons au jeu. Bah alors. Pour le caillou. Oh non, pas ça. Pour le caillou. Quoi, le caillou? Pour le caillou. Antoine! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas vu le deuxième caillou, mais c'est bon! Dans le caillou! Attends, à tribord! Le caillou! À tribord! Attention! Moi je me fais confiance! Babord! Mais vous inquiétez pas, c'est bon! Le caillou! Ça passe! Vous pouvez me faire confiance! Say no one ever. Vous avez vu, moi je suis un habit de crabe. Et regardez, j'ai une arme de crabe aussi. Moi j'ai rien de spécial, je crois. Vous voulez voir mes autres animaux? Je vais vous montrer mes autres animaux. Regarde, moi je suis la dame de la cantine. C'est moi qui te sers les lasagnes. C'est vrai. Ok, vas-y. C'est mon chat? Ah oui. Donne-le-moi. Tu peux le jeter à la flotte? Regardez! Si, je l'ai fait tomber, je me suis dit. Oh, je le veux. Oh, il est trop stylé. C'est quoi? C'est un perroquet avec une tenue banane. Une poule. Et tu peux pas l'avoir sans genre sur l'épaule? Comme un vrai pirate? Merci. Ah ouais. C'est beau, hein. Je l'ai pas riné, mais... Il faut que tu tournes un poil... Non, en vrai, c'est éviter les... Vas-y, tire. Voilà. Non, bouge pas. Mon perroquet. Il a bombé le perroquet. Yit.
Mettez-le au fer, mettez Mintos au fer. Il s'est envolé Bagheera, il est retourné voir sa famille. Bah oui, il est retourné à la nature. C'est un perroquet, il faut qu'il vole. Il va revenir. Oh, il est raison, là. Il a raison. Oh non, il est plein de mazout. Vas-y, mets le chat. Il est plein de mazout. Mettez le chat, le chien, mettez tout. Lâche-le. Let's go. Ne va pas dans le truc vert là-bas, Bagheera. Alors, je suis plus sur le bateau. Elle a bouté. Elle a sauté. Elle boude. Non, mais moi j'ai envie d'avoir un chien juste pour mettre dans le truc là. Mais c'est juste pour mettre des coups de pied dedans. Ouais, moi aussi j'aimerais avoir un chien juste pour le mettre dans un canon. C'est pour ça qu'on n'a pas été invité au truc pour les animaux. Non, là, effectivement là. Ouais, c'est compliqué. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est portable. Comment tu te charges dans le canon, le perroquet? Je veux jouer moi aussi. Là, voilà. Ah oui, voilà. Ça suffit. Je vais le ranger, hein. Je vais ranger mon. Non, mais attends, je veux juste voir un truc. Je veux voir ce que ça fait si je le tire contre un mur. Ah là, y a pas beaucoup de murs là. Ah, mais rends-moi le perroquet. Pourquoi je peux pas m'amuser avec? Allez, bonne soirée, hein, plus de perroquet, voilà. Écoutez, c'est fini. Mettez-le au fer. On va arriver, ouais. Messieurs, dames. Oh, bah, attends, ensuite, quelqu'un d'autre, on va falloir repartir dans l'autre sens. On fait un truc incroyable. Montez, on se fait un parkage de ouf. Putain, moi, je le sens venir. Moi, je reste on va faire péter le baril et il va falloir refaire. Non. En vrai, le baril, est-ce qu'on. Oui, il faut qu'on le prenne avec nous. De toute façon, le baril, on l'a pas. Non, mais là, on va le chercher justement. Là, on va chercher le baril. Ok, t'es prêt? Je suis prête. Ah, Mintos. Mais non. Fallait plus tôt, j'avais ouais, raison. Ouais, c'est Mintos, putain, tu fais n'importe quoi. Non, c'est clairement toi, Fred. Il y a un capitaine sur l'île. Mintos. Bon, ben voilà, on est garé. Ah, on est bien garé, là. Il est bien garé, là. Ouais, c'était un peu tard. Je me bats, du coup. Vous m'écoutez pas, aussi. Ok, oui, faut trouver un navire éclaté au sol et... Une autre non, éclaté au sol. Oh non, mais putain, il y a des meubles de merde. Il y a pas de bateau. Il y a pas de bateau. Ah si, il y a bateau. Ah bah on va vers Mintos, je vais vers toi Mintos. On va vers Mintos. Alors c'est pas exactement le bateau qu'il faut que je regarde. Enfin, qu'il faut regarder, c'est un peu plus Un peu plus déconstruit. Plus de quoi? Un peu plus déconstruit comme propos. Plus déconstruit comment ça? Non, je sais pas, je bah, laissez lui dire des trucs qu'elle comprend pas. Bon, hein, Fred, est-ce qu'on a bien parqué le bateau avant? Non, à cause de qui? Voilà. Bah, écoute, on est une famille, si on parque le bateau mal, c'est tous ensemble. Voilà, alors si je dis des trucs que je comprends pas, on le dit tous ensemble aussi. Non, ça c'est toi. Nique ton chien. Non, attends, c'est probablement sur la plage que. Ah, j'ai trouvé la marque. Attends. C'est où qu'il faut creuser? Je sais pas, je creuse au pif. Okay. Oui, il y a le cochon là. Ouais, alors c'est un perroquet. J'ai seulement quelqu'un avait pas tiré sur le truc. Ouais, bah désolé. My bad. Putain, mais je vois pas l'endroit. Des petits trous, toujours des petits trous. Comment quand t'as peur de la phobie des trous, c'est la tripophobie. Pas les... Alors, désolé les tripophobes là, à ce moment-là. Alors que les trous dans le gruyère. Boum. Je quitte la conversation. Ouais, y'a un problème avec les trous dans le gruyère. Vas-y. Bah, je comprends pas. T'as vécu c'est... maintenant aussi. Je vois même pas de quoi vous parlez, c'est quoi le problème? Pas de trou dans le gruyère! Pas de trou dans le gruyère, c'est son trou! C'est de l'émental! J'ai trouvé l'endroit, enfin j'ai trouvé le... Ah. Là y'a le sigle aussi, tu l'avais vu celui-là? Ah ouais, j'ai mis des vomis dans mes trous! Bah garde, en fait, garde tes fétiches pour toi. On ne king s'aime pas, Fred. Ah non, Mintos, ah ouais, non, ouais, monte encore. Stop! À gauche! J'ai! Oh Mintos! Attention, il est au niveau, ça explose! Oh non! Barrez-vous! Ouais, déterre-le! Mintos, mais de là, au lieu de te barrer, là. Moi, tu me dis, je me casse, moi. Ok, allez au bateau. Je vais attendre un peu, là. Aïe. Ah, je suis morte. Ah non. Mais dis pas que le truc a explosé. Oh non, pitié, non. Pitié. Si, ça a explosé, putain. Non. C'est à cause de Mintos, il a avancé, j'ai cru que c'était ouais, bon. Ouais, bah oui, ça va être ma faute. Bah oui, que c'était bon, t'as avancé. N'oubliez pas, nous sommes une famille, n'oubliez pas. Non, je fais plus. Oh, faut qu'on aille sur le bateau pour revoter. Heureusement qu'on est sur la bonne île, je crois. On est sur la bonne île. Let's go. En plus, là, il fait jour, ça va aller très vite. Ouais. Il est bien ton jeu, JDG. Hein. Il est trop bien le jeu, arrêtez, on critique pas, il est trop bien le jeu. Pas de ma faute, c'était un cacaboudin, Mintos. Comment ça, je suis un cacaboudin? En même temps, ouais, déjà, calmos, les gars. C'est toi le cacaboudin avec le truc là, non, qui fait boum. J'ai rien fait, moi. Votez pour la fable sur le bateau, au lieu de vous embrouillex. Mintos, c'est le gamin là. Les enfants. Vas-y, moi je reste sur l'île, vous pouvez être trois pour voter. Faites bien attention avec le baril. Hein. Oh, Bagheera. Oh oh. Hé. Oh, jolie poupée. C'est bon. Bah non.
Bah, en tout cas, moi, j'ai planté mon couteau dans le livre. Qui l'a pas fait? Moi, j'ai planté mon couteau. Moi, j'ai mis la quête, moi. Attends, comment ça, t'as mis la quête, Minto? J'ai choisi la quête. J'ai dit chapitre 3 du truc. Bah non, c'est bon, j'y vais. Alors, attends. J'y retourne. J'y vais. C'est vrai, c'est pas moi. C'est moi qui ai pas voté. Plus être un boulet. Vas-y. Dis, c'est Mintos qui a pas voté. C'est moi qui ai mis la quête. Non mais. Voilà, merci. C'était bagarre. Non, j'avais voté, je sais pas, ça a bugué. Prenez le canon. Arrêtez de regarde juste où est-ce que c'est au moins. Regarde parce que c'est. Famille. Ah, c'est le même que tout à l'heure. Bon, bah ça va. Le truc au sud. Ah non, c'était à l'endroit où il y avait les. Les trois îles. Les trois îles. Sud-est, on me dit. Non, je crois que c'est sud-ouest. Non, c'est pas sud-ouest. Sud-est alors. Ah, on m'a dit sloop, attention, sloop. Ah, bah c'est trop tard de toute façon. Comment ça? Ouais, oh, au pire, ils nous dévalisent, hein, tant pis. Hein. Oui, effectivement, une sloop. Vous y êtes ou pas? Un joueur. Deux joueurs. Non, ils nous contournent, c'est bon, ils ont peur. Oh, oui, c'est bon, ils vont pas nous attaquer. On fait peur. Ils sont en train de couler notre bateau, par contre. C'est vrai? Ouais. Oh, zut. C'est énorme. Pas grave. Ah, si, parce qu'après, on va être embêté. Pourquoi? Ah oui. Oh putain. Bah oui. Oui, c'est mort. Ah, par contre, je peux pas. Allez, sauver le bateau et moi je vais creuser. T'as trouvé l'endroit, bagarre? Ouais, j'ai trouvé. Allez, sauver le bateau. Mais le bateau, il y a plus de bateau déjà. À part la Mintos. Mintos, il court dans la direction inverse. Hurlez, friendship. Oula, ah oui, non, oh, c'est mort le bateau là. Ouais, non, il y a plus de bateau, hein. Oui, là, c'est terminé. Hello, guys, wanna trade? Ouais, c'est ça. Hello, guys, wanna trade? Fuck you! Tu sais qu'en faisant ça, tu leur donnes du plaisir, mec. Ah ouais, moi aussi, il en donne. Oh là là. Bon, notre bateau est coulé, messieurs, dames. Bateau. Bah, on prend le bateau et on va aller chercher le bidon. Oui, mais tu l'as trouvé? Non. Ah, bah c'est au même endroit que tout à l'heure. Bah oui, mais du coup, je suis au même endroit, le faux mauvais endroit. Quoi? Bah, je suis au même endroit, mais pas le bon. D'accord. Ouais. Je suis pas au bon endroit, quoi. D'accord. Ça vous suffit. Ah, et j'avais plus de vie. Ah, mais il y en a certains qui restent sur l'île pour chercher le truc. Ouais, moi je cherche, moi. On est sûr? Ah, je me fais tirer dessus, je suis mort, ils m'ont tué dans l'eau. Donc, de toute façon, je vais pop sur le bateau. British scum. Tu sais que tu peux te faire ban pour avoir dit ça, mec? Pourquoi? C'est roleplay? Dans le jeu, t'as pas dit dans le jeu. Fuck you! Détester les Anglais, on a droit. J'ai envie de l'avoir en alerte de sub, j'ai des écures là. Fuck you. Alors, c'est peut-être pas la bonne île, je sais pas, attends. Pourquoi tu lui jettes l'angle, Mintos? Non, y'a rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Merde. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il a rien fait. Non, c'est bon. Il a rien fait, frère. On a une famille. Je vais faire pipi. Mintos, c'est l'enfant spécial de la famille. Oui, voilà, écoutez. Quand il était petit, il mangeait de la colle. C'est vrai que quand il était petit. En vrai, c'était pas si mal cette colle quand même. Non, j'ai jamais essayé. J'ai jamais fait ça. La colle, comment elle s'appelle? Pas la. Comment elle s'appelle? La UU. Non, j'ai jamais fait ça. La Cléopâtre ou un truc comme ça, je sais plus. J'ai jamais bouffé de la colle. Non, moi je mange de la nourriture comme les êtres humains normaux. Moi je mangeais mes gommes aussi. Non, mais. Non. Personne de normal fait ça. Et alors, c'était pas un peu. Genre, ça te faisait pas mal à l'estomac après? Ça explique plein de choses après, mais bon. Si, j'étais un peu malade tout le temps. Ah bah oui, forcément. Arrête de manger des gommes. C'est comme la meuf qui mange son canapé là. Ouais. Vous savez, genre dans My Sweet Addiction. C'est littéralement ça. Ah, j'aime bien un truc, oui. T'as pas mangé. T'as pas bu de la peinture aussi avec ta gomme pour faire passer, tu vois? Les cendres de son père ou un truc comme ça? Oh, c'est tendu, hein. Manger les cendres de son père? Bah, je crois qu'il y a une personne qui mangeait. Je crois qu'il y a ça. Il y a un mec qui a mangé un avion aussi, même plus, et il est mort maintenant, mais pas. C'est la façon dont tu racontes, c'est très bien. C'est genre un Cessna ou un Boeing? Attends, je sais plus, attendez, je vais voir. Il se passe quoi là? Le feu. Allez. Il a mangé un ULM, yes, mais il a mangé plus, non? Réparti. Il a mangé un biplace. Un biplace. Un ULM alors, c'est ça? Mais en entier? Genre avec les roues, Mais je crois, mais il a fait en quelques mois. Y'a pas, d'un coup, quoi. Effectivement, il a littéralement mangé ses morts, hein, le mec avec son père là. C'est quand même plus moins chiant de manger des tomates, quoi. Mais je sais plus de quoi il est mort, mais je crois, genre, quand même un truc qui est décelé d'avoir mangé en avion. Il y a peut-être un rapport de cause à effet. Effectivement, quand son médecin a fait l'autopsie, il a peut-être dû se dire: ah, est-ce que vous avez mangé un avion, monsieur, dernièrement? Et l'autre n'a pas répondu parce que c'était une autopsie, effectivement, et que le mec était mort. Y'a un bateau à droite là. On se le fait. Anthony, il aime pas le PVP. Surtout, en fait, c'est pas que j'aime pas le PVP, c'est qu'on est nul à chier. C'est vrai qu'on est pas dingue. Après, on a jamais. Arrête, on a déjà essayé plein de fois, mec. Tu dis on a jamais essayé, c'est faux. Non, mais enfin, je veux dire qu'on a, on a jamais vraiment. En fait, on a jamais réussi à toucher un coup, donc on peut pas. Ouais, c'est bien ce que je te dis, on est nul. Ça compte pas vraiment comme du PVP. À partir d'un moment, on n'arrive pas à toucher l'ennemi. Vous pensez que bon, je change de sujet, je suis désolée, mais vous pensez que on peut, genre avec l'accord de la famille ou etc. et d'un médecin,
Genre quand quelqu'un meurt, genre garder son œil et le rendre beau et genre t'en faire un beau bijou ou un truc comme ça. Bah, c'est trop beau les yeux. Peut-être. Je pense qu'il y a moyen, non? Non? Peut-être. En vrai. Alors fais non. Gaffe, écoute, sur une île, on demandera à ton psychologue. Inquiétant. Bah, après, ça c'est peut-être avec l'accord du défunt, en vrai. Ça c'est peut-être en Suisse, hein, on sait pas. Hein. C'est vrai. T'as arrêté la colle depuis que t'es enfant ou? Bah je sais pas. Je me pose la question parce que c'est beau les yeux. Bah de moi coup, aussi je me pose la question, hein, du coup. Pourquoi tu voudrais les yeux de qui, Bagara? Bon, je sais pas, ma mère, elle a des très beaux yeux. Ils sont aux miens. Et du coup, tu penses souvent à les apporter. Maman, t'as des super yeux, j'aimerais bien les porter en bijoux. Bah, quitte à garder un truc, tu vois. Genre, il y a tout qui brûle et tout, ou t'en garder un truc, tu vois. Bagheera Adams, quoi. Alors là, vous voyez bien, juste sur l'île, à droite, il y a les petites îles. Faudrait que tu te cales pile au milieu entre les petites îles et la grosse île. Tu vois, c'est là qu'on doit aller. Ok. Faudra un peu me diriger, je pense que je vois pas grand chose, mais. Ouais. Ou bien moi, j'ai plutôt, je suis à la vigie, fais-moi confiance. Donc faudrait qu'elle se mette entre les deux, tu vois. Entre les deux, ouais, je vois, t'inquiète. Ouais, il faut c'est 5 degrés bâbord. Ok, si on monte un petit peu. Pardon. Mintos, on est des pirates cher, ouais. Là, pas des porcs. Tu casses les couilles. Bâbord, Bagheera, c'est à gauche. Ah, c'est en France, c'est illégal de garder des cadavres de ses proches. Bagheera. Il faut garder les cendres. Bagheera. Oui, je vais à bâbord, Non, tu vas à tribord. L'autre gauche. Pardon. Les cendres, on a le droit de les garder, les gens. Allez. Concentre-toi. Allez. Pardon, excusez-moi. Alors non, ça. Par contre, ça va pas le faire parce qu'il y a, un banc de sable au milieu. Ouais, mais tu l'arrêtes juste avant. Ah d'accord, c'est cette île-là qu'on doit. En fait, le banc d'accord. de sable, c'est là où on doit creuser. Ok, très bien. Rappelle-moi ton prénom. On a plus le droit de garder les cendres. Ah bon. Les cendres, c'est illégal aussi en France. Mmh. Mais pourquoi Mais genre, tu peux en faire quelque chose. T'as le droit de te dire, je jette les. Peux les sniffer un petit peu. Un petit sniff, j'allais le faire, un petit rail là. Je veux faire un petit rail. Moitié cendre, moitié charbon, moitié coco, quoi. Okay, moitié cendre, moitié charbon. On a... Attends, on a un sloop derrière nous à gauche. Lâchez l'ancre. Vas-y. Ah, moi, je pensais que vous lâchiez avant. Ennemi derrière nous. Prends ça, ennemi. Ouh. Attendez. Chose à faire. Il faut relever les voiles, lever l'ancre. C'est pas sur le bon truc à côté, hein. Il nous arrive dessus. Oui, je sais, c'est pour ça que je fais ça. Ok, préparez-vous. Mettez-vous au canon parce qu'il va falloir, je pense, qu'il va falloir le canonner en vrai. Il est où? Je le vois pas. Il est à droite, à tribord. Ah oui, je le vois. Je l'ai jeté dans l'eau, mais qu'est-ce que tu fous? Il va le chercher, il avait raison. J'attaque. Ok, on est pas mal, on est bien en phase 2. J'attaque. Bon. Touché. Oh, let's go, touché aussi. Ouais, touché pareil, let's go. British scum. Je suis morte. Je suis mort. Oh là là, ils vont nous couler encore. Ah, je suis pas mort. Je suis sorti de mon corps. Défense, hein. Red, tu fais quoi? Je leur cours après, je vais les tuer directement sur leur bateau. T'y arrives pas du tout. Mais oui, parce que je nage moins vite que le bateau. Je répare. Répare. Tenez bon. Mais je vois jamais t'y arrives, t'es beaucoup trop lent. Si, ça va aller, Vas-y, tu les butes, hein. Défonce-les. Non mec, pourquoi tu mets l'ancre? Ah, c'est lui. Il est sur le bateau. Il m'a tué. Friendship! Fuck you, English! Tue-le! Ah! On se fait 2v1! Non, on se fait 2v4, mec. Je vais pas te mentir. Il voulait pas friendship. Hein. Ah, Fred aussi. Ça n'a pas marché, j'ai l'impression, Fred, t'as tué. D'accord, il y a plus Pinto. Notre bateau va. Ah, je suis mort! Ah, d'accord, ok, très bien. Bah, on est tous morts. Allez, on y retourne, let's go! Non, non, mais là, le bateau, je pense qu'il est sous l'eau. Hein. Bon, on retourne au prochain bateau, ouais, c'est pas grave, let's go! En même temps, on est suisse dans l'équipe. Oh. Enfin, je suis remords. Il est horrible, hein. Il se téléporte et tout. Il essaie de nous parler, il dit, vous avez pas besoin de vous battre, moi j'ai pas de micro. Ah non, ça a rien de nous battre parce qu'on a perdu dans tous les équipes. Putain, mais. C'est loose. Ok, you know, enfin, c'est not. Il me dit, okay. Ah c'est bon, eh ben, c'est bon, il nous laisse tranquille. Mais bah oui, mais. Ah bah super. Sauvez le bateau. On parle pas au chien anglais. On est mort. Non, laissez-le, il nous laisse tranquille. J'en ai pas, je m'en fous. Non mais Mintos, il nous laisse tranquille. Il va jamais nous laisser tranquille. Il va jamais nous laisser tranquille. Nous laissez vraiment. Vous êtes vraiment. Voilà, regarde, il me laisse tranquille là, il m'a défoncé. Faites de la musique en arrivant, vous allez voir. Ah, il m'a retué. Bon, allez. Moi je crois en l'humain. On coule le bateau ou quoi? Je crois en l'humain. J'en ai un peu ras le cul de faire des allers-retours. Mais c'est hein? Bugs là. Pourquoi Bagheera il collabore là? Putain. Non mais réparer le bateau, réparer le bateau. Dans les gènes. Réparer le bateau. Je répare, hein. Je répare de ouf là. Vous réparez vraiment, hein?
Oh putain. Oui mais je vois, il nous tue pas hein. Oh ils sont les deux là. Ne le tue pas, le tue pas, le tue pas, le tue pas, le tue pas. La meuf en flamme. Non mais il nous tue pas, y'a pas de problème. le tue pas. Ouais, le RP suisse qui me pousse trop loin quoi. Demande Bagheera. Non mais il ne vole pas de mal là. Hop là. Mais pourquoi tu les tires dessus? Mais parce que c'est des connards. Mais non, il va encore te tuer, ça va recommencer à l'infini. Tuez les pas, tuez les pas. Arrête. Arrête de les tuer. Ok, je les tue pas. Dude, we are friendly, dude, il dit. Yes, le bateau ouais, c'est ça, temps, dude, we are friendly. Attends, c'est je vais prendre un bateau explosif, je vais leur faire péter leur maison, tu vois. Non, essaye de sauver le bateau. Bah, il nous aide, là, il est en train d'éteindre le feu sur le bateau. Oui, voilà, c'est bon, il nous aide. They're friendly. Ils sont friendly. Ils sont bien friendly, ouais. Fred, me dis pas que t'es en train de faire une connerie, pitié. Non. Fred. T'inquiète pas. Non, Fred, non, s'il te plaît. T'inquiète pas, je fais rien de spécial, là. Non, quand t'as... T'inquiète pas, je descends du bateau. Je sais qu'il y a un problème. Je descends du bateau. Fais rien de spécial. Regarde, je suis sur l'île, je fais rien, regardez-moi. Fred, s'il te plaît. Je fais rien. On est en train de tout sauver, ils font de la musique avec nous, ça y est, c'est bon, on voit le bout du tunnel, Fred. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Fred, on s'entend que c'est en train de faire de la merde. On s'entend que t'es en train de faire de la merde, Fred. Mais non, Fred. Tu joues pour le best-of, Fred. T'es volé de nous à éteindre le feu au lieu d'essayer de faire un truc qui sert à rien. J'ai plein de choses, mais tu perds. Tu n'es pas un bon acteur, Fred. Mais ils sont deux, on est quatre là. Vous avez pas de fierté? Non, je vais faire la fête. J'en ai rien à faire. Moi aussi, j'en ai rien à foutre. Ah, mais putain. Moi, je suis chaud pour les défoncer, hein, mais bon. Allez-y. Bon, bah, allez-y. Allez-y pas. Moi, je vais prendre leur bateau, moi, je pense. Je ferai mieux. Voilà, comme de neuf. Attends, mais c'est sur cette île qu'on doit aller. J'ai bien envie de leur foutre dans le rocher, leur bateau de merde. Là. Arrêtez, ils nous parlent. Bah, moi, je les trouve très sympas. Mais j'ai pas envie de leur parler, moi. Mais putain, mais ils sont cool. Du coup, ils sont cool, ils nous ont cassé le cul. You are the best. Et c'est moi qui commençais à les attaquer pour leur défense, en vrai. Hein. Moi, je les ai attaqués parce que je leur faisais pas confiance. Syndrome de Stockholm. Il a envie d'être anglais, là. C'est Antoine, on savait de quel côté il était en 41. Voilà, c'est bon, regarde, on est amoureux. Allez, je vais chercher le trésor, hein. Je vais aller chercher le trésor. J'y fais. Il répare pour nous, mais regardez, c'est des amours. Bon, il était où, ce coffre de merde, là? Ils m'ont sauté pas les joies, ils Valentine. Vous savez, un sourire est souvent la solution au vilain courroux. Vas-y, alors c'était en dessous de la petite barque. Have fun, friends. C'est bon, j'ai trouvé le baril. C'est pas où il y a un baril explosif rouge, par hasard? Non, mais je l'ai, le baril, c'est bon. Oui, non, mais... De quoi? Oh putain, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est écoute, moi je veux bien être d'accord avec les amis, mais c'est bien quand d'avoir des arguments de négociation aussi, tu vois. Ouais, mais sauf que cet argument de négociation, il peut se retourner contre nous très vite. Hein. C'est juste un quiproquo, mais c'est juste un quiproquo. En fait, c'est moi qui attaque en premier. Tu peux pas comprendre les relations entre grandes puissances. Vous voulez pas partir, puis moi je leur accoule leur truc, là? Par contre, ils nous volent le truc maintenant pour continuer leur quête, hein. C'est comme ça. Ah non, ils nous... Bagheera? Please, friends! C'est des Anglais, on peut pas leur faire confiance! C'est des feux d'artifice! Ok. C'est inoffensif! C'est marrant, hein. Pas confiance. Allez. Ils ont tué Jeanne d'Arc. Ils amènent un cadeau, Attends, on voit ça. Alors, j'essaie de trouver le truc, moi. Hein. J'essaie de jouer pour de vrai. Oh, merci! C'est sympa, mais est-ce qu'on peut genre se casser là? Je suis sûr, c'est oui, piégé. Oui, je cherche l'endroit où on va aller, deux secondes. C'est piégé. Ah oui, bah c'est celui avec l'île piégée, machin truc. Donc go nord, nord-ouest. Fuck you! Bye! Fuck you! Do you want to eat my ass? Eat my ass! En fait, attention, j'ai placé le baril dans la chambre du capitaine. Et on a survécu à ça. Moi, je trouve que c'est fabuleux. Et grâce à la paix. Ouais. Oula, mégalodon. On a dû manger notre mégalodon. Chapeau. Mégalodon. Ça ne s'arrête jamais. Friends, help us with the mégalodon, please. Mais non. Ah, il est là, à droite. Droite, mégalodon. Ils vont se faire bouffer le huc par le mégalodon. Hein. Ah, j'espère qu'ils vont se faire bouffer le cul par le mégalodon. Ah, ils se font bouffer le huc, hein. Ah, ça me ferait bien marrer, ouais, ça. C'est bien fait. Venez, on aide le mégalodon. Venez, on aide le mégalodon. Comment on l'aide? Tu veux lui donner à manger? Non, mais on l'encourage, j'en sais rien. Attends, il coule? Ah non. Non. Bah si, mais c'est pas eux, c'est eux ou pas? Ah, ils ont coulé. Ah, ils ont coulé. Une meilleure oreillette. Le chat. Nul. Le mégalodon nous arrive dessus. Fuck you, English. Ils sont pas anglais. Le mégalodon nous arrive dessus, messieurs dames. Vas-y, mange ça. Il est à gauche, il est à droite, à gauche. Ah, il est devant en fait, c'est chiant. Ouais. Je vais essayer de le harponner. Ça marche pas. Je l'ai harponné. Oh merde. Alors c'était pas... Oh, c'était une idée de merde. C'était vraiment une idée de merde. On
On harponne plus le mégalodon, c'est fini. On sait maintenant. Ça nous a embarqué. Excusez-moi. Mais au moins il s'est barré, hein. Oui, c'est bon. Voilà. Comme quoi, un bon coup de harpon dans le cul, là, hop. Revenons au jeu. Ça lui fera... Bref. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr, c'est impossible. Comme tu dis. Par contre, il y a des connards droit devant, apparemment. Mais je crois que c'est des PNJ. Bon, je mange la nourriture qu'ils nous ont filée, mais je leur mettrai une étoile. J'ai hâte de la chier. Si, première attaque. Qui nous tire dessus là? Qui nous tire dessus? Ah, c'est l'île là-bas. Friendship! Mais non, Baccarat, pitié. Je sais que c'est des PNJ, je fais du beau. Ça suffit. Oui, c'est beau. Attends-toi vers moi, Mintos. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que vous faites? Non, rien. Vraiment déconne. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est connerie. Je ris seul. Nord. J'ai l'impression de louper la fête là. Ma tête le fait rien. Revenons au jeu, Mintos. On est sûr qu'on est obligé de le prendre le baril là? Oui, je pense qu'il faut le faire péter à un endroit précis. Faire péter. L'histoire des rayons verts existe IRL, de quoi vous parlez? C'est les. Au moment du coucher du soleil. Au moment du coucher du soleil, mais c'est t'as genre une chance sur un million d'envoyer. Ouais, je sais, une fois je me suis vraiment genre blessé les yeux en essayant de le regarder ce truc. Alors c'est pas le soleil qu'il faut regarder du coup. Non, mais je regardais à côté, mais à force de regarder tout le long vers le soleil, j'avais genre tellement mal aux yeux après. Ouais. Tu peux t'arrêter avant de... Ouais. Bon, hein. Moi, mon père, quand il y avait des éclipses, il me disait de regarder à travers un CD, donc pour te dire... Non, mais c'est parce qu'il t'aime pas, je pense. C'est faux, il l'adore, c'est Paco le Rouge. Pas cool de le prendre, Paco. Il est là ce soir, Paco le Rouge, bagarre. Je crois pas, Paco. Et pourquoi le rouge? Probablement un bolchevique, si tu veux mon opinion. Le premier bolchevique suisse. Vas-y. J'avoue, un bolchevique suisse. Premier de son nom. Alors là, on arrive dans le caca, attention. Non, c'est bien. Il y a une possibilité qu'il y ait une île sur le côté. Ah, c'est bien là. J'aime bien. Oh, mais c'est pas possible, c'est dégueulasse. Antoine, t'es vraiment horrible. Vous savez que pendant ma pause de stream, du coup, pendant qu'il y avait un train de la hype niveau 5, moi je regardais The Lost. C'était super. The Lost. Putain, Lost, j'ai jamais réussi à regarder plus de 5 épisodes parce que Seb m'a dit que c'était nul à chier. Quoi. Ouais, mais après, si Seb il avait pas des goûts de chiottes, après ça a pas mal chier. Vas-y, va un peu. La première saison, je me suis fait chier comme un rat mort. Va un peu à. Nord. Full Nord. Avec plaisir. L'île, elle est un peu à gauche là-bas, derrière. Je me suis fait chier comme un rat mort, moi, sur The Lost, la première saison. Tu nous déçois, mais c'est pas grave. Non, mais vous avez le droit d'aimer des séries où on se fait chier, mais... Ah, bien sûr, mec. Quoi ta série préférée, Minto? Ma série préférée? Je sais pas. En vrai, une série que j'aime bien, c'est Une Nounou d'Enfer. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas grave que t'aimes pas Lost, mec, c'est ok? Ah oui, quand même. Mais attends, t'as vraiment ramené une rêve de l'outre-tombe, là. Malcolm. Et toi, Bagara, c'est quoi ta série préférée? Je peux faire bien The Wire, hein, par pitié. Ah, j'adore The Wire. Oh. Je pense Scrubs, c'est celle que j'ai le plus regardé et plus enchaîné, je dirais Scrubs. Caméra Café. Ouais. Moi, c'est Papa Schultz, évidemment. Moi, c'est Lost. Intos, maintenant. Et dernièrement, Euphoria, bien sûr. Vas-y. Qui prend le baril? Bien joué. Pas moi. Vas-y, je le prends. Vas-y, je le prends, t'inquiète. Ah, tu le prends? Ok. Je le prendrai. J'ai pas pris là. Bah, du parti sans. Attends, d'accord, tu veux dire le prendre. Ah non, bah, prends-le. J'avais mis où en haut, en bas? C'est moi qui l'avais au truc d'avant. La salle du capitaine. Mais après, en vrai, ça risque rien, c'est juste qu'il faut pas tirer, quoi, c'est tout. Mais fais gaffe, les PNJ peuvent nous tirer dessus en fait. Bah, vas-y, on va passer devant, deux devant et un derrière alors. Voilà, ouais, c'est ça. Vas-y, je me mets derrière toi, Bagheera. Et la boum, elle explose dans le bas du bateau. Vas-y, go, vas-y, elle par là, vas-y, Vinitos. C'est parti! Faites pas les dingues, hein. Vinitos est mort direct. Il est mort, mais genre direct. Ah, il arrive à Gamaril! Il arrive à Gamaril! Non! 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 C'est bon, il est. Non, c'est bon! C'est bon, c'est bon. Bagheera. Non. Ok. Non! Non, mais juste une petite résurrection. Oh, putain de pute! Hein? Je récupère le baril! Non, mais sauvez-nous! Je sauve Bagheera! Je réanime, je l'agilège. Ok. J'ai peur, j'ai très très peur. 1, 2, 3, ok. Mais non. Quoi? Non, déconnez. J'ai envie de pleurer. Bonne soirée à tous! Vous déconnez. Vous, tu peux la tutoyer? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, t'es pris le piège, Bagheera! Mais le piège, c'est pas censé faire exploser le truc! Je suis trop triste! Mais pourquoi t'as fait exploser le baril? Non, ça t'a fait exploser le baril!
Voilà. Il est bien ton jeu Mintos. Hein. Il est bien ton jeu Mintos. Et bah ouais, on a plus le livre. Hein, Vraiment désolé. En fait, je pensais pas que les pièces explosaient le baril. C'est pas grave. On est une famille. Hein, on échoue tous ensemble. On est tous derrière l'échec de Bagheera pour la soutenir. Et on t'inquiète pas, Bagheera. C'est pas grave. On t'en veut pas. Moi, je m'en veux de ouf. Non. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi vous faites ça? C'est Mintos qui l'a craqué. Mintos, il devient fou. Non, mais de toute façon, je pense qu'on recommence pas là. Mais non, mais j'ai pas. Attendez. Venez sur la plage et on regarde le bateau brûlé. On regarde le bateau brûlé, bien sûr. Bien sûr. Tradition. Évidemment. Tradition des fans de live de sur Sea of Thieves. On n'a rien fait pendant 4 ans. On n'a rien fait. C'est une grande tradition, hein, c'est l'habitude. Ça va aller, Bagheera? Oui. Voilà. Là, tu souris dans le jeu, c'est bien. Ah putain. Ils nous foutront pas la paix. C'est impossible. Oh non, Mintos. On peut même pas avoir une mort tranquille, quoi. Non, c'est impossible. Ah ouais, c'est... Oh, je suis mort. Oh, j'ai envie de pleurer. Je vais crever aussi, je suis mort aussi. Je dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché ce soir. Ah, c'est mon pire Saint-Valentin ever. Non, je suis désolé. T'as ruiné la Saint-Valentin, les gars. T'as ruiné la Saint-Valentin, mais c'est tout est pardonné. Putain, il y a un stream hacker qui me passe la musique de MV. Il avait prévu qu'on allait crever. Hein. Il aurait pu passer la musique du DG, là j'aurais cringe. Comme dans les conventions. Ah ouais, la prochaine fois, le ta. Pitié. Pitié, pitié. Il y a mille fois pire que ça. 1, 2, 3, 4. Pipi, mes jambes de bois. Voilà, c'est bon. Mes jambes de bois. RIP. T'aurais pu changer de drapeau par contre, là c'est un crime de haine. Ah oui, mais on avait déjà dit ça la dernière fois, la même blague. Oui. Bah oui, je suis pas original. On recycle. Tu sais ce que je fais. La hein. même blague. T'sais, déjà, moi je compie mon concept à l'étranger. Alors bon. Ah bah c'était bien. Ah, hein. Ah c'était bien. Bien. Mais un pouce bleu YouTube. Hein. Ouais. Elle était vraiment trop bien la fable. Masterclass. Hein. Ouais, la suite, moi je propose que le monteur mette la fin de la fable sur un let's play qu'il aura piqué ailleurs. Je tiens à m'excuser pour ce soir. Heureusement t'es pas arrivé en retard. Du coup ça c'est cool. Y'a pas de soucis. Aucun problème.